Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont dans mon direct et tous ceux qui vont cacher et regarder après. Je vous fais un gros big up à vous tous parce que je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des adversaires. Vous savez, quand Alassane Ouattara est dans la vérité, il faut savoir dire les choses comme il est. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines vérités et vous montrer des vidéos à l'appui. Oui, de contradictions de Soro. Voilà. Donc, on va décortiquer certaines vidéos et des vidéos que j'avais gardées. De Soro, bien évidemment. Il y a des gars qui s'attendaient à Soro Guillaume du fait que quand comme Soro Guillaume il commence à les faire des yeux doux, il commence à piquer à la salle, tout ça, Donc il y a certains gars ils pensaient que quand Soro Guillaume et ils attendaient en tout cas aux conférences de Soro que Soro il dit que au 2020 l'élection 2010 que c'est Babo qui a gagné, mais il pouvait pas gagner. Puisque Bédier était avec, Alassane Ouattara. Donc, on va venir ici, et puis, dans chaque vidéo, et puis, Soro Guillaume, dans ses vidéos, il dit, il assume tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, les guerres qu'il a fait, les assassinats, les viols, etc., etc. Tout ce qu'il a commis, il a dit il assume tout. Voilà. Il parle de quoi encore? Il parle de. Des promesses, de ceci, de Alassane Ouattara, des promesses, ceci. Donc maintenant là, donc les peuples, ils n'ont pas leur mot à dire, quoi. Nous, les peuples, on n'a pas nous à mot. Donc vous faites des tontines entre vous comme ça. Bon, si il ne devient plus président, tu viens. Mais dans le tontine là, le peuple est où dans tout ça? Et puis toi, tu viens narguer les gens ici pour dire, ouais, les peuples, c'est les peuples qui sont avec moi. Les peuples décideront qui vont gagner. Dia, c'est une histoire de tontine. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on va commencer. Alors, je commence par quoi, là? On va commencer par assumer, hein. D'abord, il dit qu'il assume d'abord. Oui. Ah, écoutez. Je ne suis pas en train, je suis d'accord avec vous, pas pleinement mon passé, et ce n'est pas de la pitié que je demande à qui que ce soit. Je me battrai, je construirai mon histoire politique. Je l'ai fait depuis que j'étais étudiant, je ne me suis pas plaint, je n'ai pas demandé la pitié que ce soit. J'assume pleinement mon destin et mon histoire. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais ça ne doit pas inhiber ma capacité, n'est-ce pas, à dénoncer ce que j'ai toujours dénoncé depuis l'université. En ce qui concerne, Donc, vous avez bien vu, hein. Il a dit que lui, il assume totalement son destin et tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a aucun pitié, il n'a pas de pardon. Tous les pardons qu'il dit, la pardon, là, c'est que du flafla. Voilà, comme il le dit bien, c'est que du flafla. Donc, tous ceux qui suivent Soro Guillaume, qui sont là à dire Soro Guillaume, c'est ci, Soro Guillaume, c'est là, vous savez que Soro Guillaume, il n'est pas dans le bon. Donc, on va continuer. Hein. Alassane Ouattara, il a fait des promesses. Dans une interview où le journaliste l'a demandé pour dire que Alassane Ouattara a fait des promesses pour devenir nanana, maintenant, il n'a pas su répondre à la question. Regardez. Politique, oui, qu'il vous a cédé et qu'il n'a pas tenu promesse. Vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, il vous l'avait fait. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'ai décidé de prendre mon destin en main. J'ai décidé de m'assumer. J'ai 47 ans et je pense que désormais, C'est toi qui as dit je que tu as serai fait des promesses, devenu non? seul. Voilà, seul. Vous savez ce que disent les mauvaises langues, Guillaume Soro, c'est que. Et il y en a beaucoup, hein, oui, les mauvaises bah, oui, vous, le monde ne vous aime pas, oui, c'est sûr. Certains disent que votre perte d'influence est liée à celle des chefs militaires comme Zone. Et vous connaissez cette phrase que Laurent Gbagbo a écrite sur vous dans son dernier livre. C'est aux armes que Guillaume Soro doit sa place. Le jour où il n'aura plus ses armes, eh bien, il devra s'inquiéter. Mais dites-lui que moi, je suis très heureux de ne pas avoir d'armes. Je suis très heureux et d'être dans l'arène politique et de me battre donc en tant qu'homme politique pour, n'est-ce pas, arriver à mes fins.
Vous voyez bien, il va se battre pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que c'est personnel. Sur Guillaume, là, son élection, son partisan, son GPS, là où je ne sais pas quoi, c'est personnel. Donc c'est pour ça qu'on ne s'enchaîne pas sur Soro, on ne vient pas faire des vidéos sur Soro juste pour se faire voir ou pour être méchant. Nous le RHDP, en tout cas, nous, les membres de RHDP, y compris moi, bien sûr, parce que je suis la base, je suis le pilier de RHDP, Vidéoman, bien sûr, et le membre de voilà. Voilà, les gens, ils savent de quoi je parle. Et nous, on fait des vidéos sensibilisation, et puis on fait des vidéos pour la paix. On réconcilie les gens, on essaie de rattraper nos adversaires. Venez avec nous, venez manger avec nous, venez construire en même temps. Venez construire avec nous et on mange ensemble. C'est simple comme bonjour. On ne cherche pas à tuer quelqu'un, on ne cherche pas à écarter quelqu'un ou quoi que ce soit. Quand les gens ils disent qu'ils croient qu'on écarte ce Guillaume parce qu'il peut gagner l'élection, c'est un candidat potentiel. Candidat potentiel, il est sale. Moura, là, il est trop sale. Il ne peut pas être candidat de quelque chose. Tout ce qu'ils font là, c'est que des manipulations, acheter des gens, ceci par là, pour faire des vidéos. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité. C'est pour ça qu'on sensibilise les gens. On ramène les gens à la paix. Et regardez leurs vidéos, man, Soris et notre vidéo, et tous les gens qui défendent le président Alassane Ouattara. Il a oublié la cause. Alors, on va continuer et écoutez cette vidéo, c'est laquelle même la deuxième. Écoutez. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. L'engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Mmh. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera. Vous avez bien vu, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tous les promesses. Donc ça veut dire que si je comprends bien, dans la politique, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je te donne, et après c'est toi, après c'est toi. Et le peuple est où dans tout ça là? Donc l'élection, faire des scrutins, nanana, tout ça là, c'est du fla-fla. Comme tu l'as bien dit. Toi, c'est pas toi-même qui disais ici, dans un de tes sorties là, l'élection là, ils vont tricher, ils vont faire ceci, ils vont tricher, ils vont tricher. Donc quand on triche pour que tu gagnes. Par contre, quand ça t'arrange là, quand si tu étais RHDP là, si on te comme candidat du RHDP, là tu n'auras pas parlé de tricherie. Mais comme tu n'es plus avec nous et que tu sais qu'on est plus populaire que toi et on est plus nombreux que toi, bien sûr sur le terrain, nous on ne parle pas, les réseaux sociaux là c'est du flafla. Les gens ils n'aiment pas entendre la vérité, les gens ils aiment regarder les vidéos affamées, les vidéos des clashs, des fœtus et cela. Nous on n'est pas dans un truc de comédie club, voilà, on est dans la réalité. Il s'agit de la vie des Ivoiriens, des Africains, ok? Il s'agit de la vie des Africains, donc on ne veut pas ici pour étaler des mensonges, aller à la bataille et tout, etc. Comme c'est le peuple qui décide. Donc, moi, personnellement, maintenant, on va aller jusqu'au bout. Vous lancez donc ce nouveau mouvement, mais aux dernières élections locales, vos partisans ont été battus. On sait que il y a les 3 principaux partis en Côte d'Ivoire ces dernières décennies. Est-ce que ce n'est pas une candidature presque suicidaire? Parce que ça paraît presque impossible. C'est suicidaire même. Moi, d'abord, une élection locale, ce n'est pas la présidentielle. Hein, mettons-nous d'accord. Je voulais faire cette précision. Ok. Donc, la présidentielle, j'irai. Écoutez, attends, je vais vous mettre à la partie 1h30 là. Voilà. Président élu. Donc vous espérez être le Macron ivoirien? Non, je n'espère rien du tout. J'espère être
le Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, élu président en 2020. Alors pour ça, il faut que les élections soient libres et transparentes. Est-ce que vous pensez qu'elles le seront? Alors, malheureusement, j'ai le sentiment que les premiers pas, parce que vous savez qu'une élection présidentielle, c'est tout un processus. La semaine dernière, avec la mise en place de la commission électorale indépendante, j'ai des craintes. Ah, t'as des craintes? J'ai des craintes pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ah, aïe, 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 ce Guillaume, pas Tissakana. T'as des craintes pour l'élection 2020 parce que tu n'es pas... Non, mais, hey, mais comment tu mens? Comment t'es ni... Hey, mais t'es un menteur, mais t'es un hypocrite, Soro. Mais vraiment, laisse tomber, quoi. Mais toi, je ne sais pas comment ils ont fait pour te mettre dans le gouvernement, quoi. Tiens! Mon là, il passe des 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mais Joe, qui te conseille même? Sincèrement, je commence à m'inquiéter pour toi. Vraiment, je commence à m'inquiéter pour toi. Pour la paix de en Côte d'Ivoire, permettez-moi de paraphraser, j'ai envie de paraphraser le président Chirac, paix à son âme. Tout le monde sait que cette commission est stipendiée et aux ordres. Tout le monde sait que cette commission électorale indépendante va brûler. Ah, va brûler la Côte d'Ivoire. Va brûler, c'est-à-dire l'élection 2020 va brûler la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, en fait, il lance des messages très clairs. Vous savez, soyez pas cons, soyez un peu vigilants de ce qu'il dit. Son propos, là, c'est comme s'il lance un message. 2020, le Christin va brûler l'élection 2020. Pourquoi? Alors que toi-même qui dis que Alassane Ouattara, il t'a fait une promesse pour devenir président, pour le succéder. Donc, pourquoi tu veux me parler ici de Christin? Ouais, ça va brûler parce que Alassane Ouattara ne veut plus te donner ce que tu voulais, la promesse qu'il t'a promis. Il veut pas parce qu'il a vu par rapport à tes coups d'État que tu voulais faire, tes vocales, tes manipulations pour essayer de faire la guerre dans son propre pays, hein, faire sortir des gens, des trucs de terroristes, essayer tout ça. Il a vu que tu n'étais pas la bonne personne pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, il t'écarte. La promesse là. Lorsqu'on ne tient plus à sa promesse, c'est qu'il y a des choses qui sont passées avant la promesse. Avant la promesse soit appuyée, là, signée, là, c'est qu'il y a des choses qui s'est passées. Et sur Guillaume, entre nous, il s'est passé plein de choses entre-temps. T'as fait une mutinerie, t'as monté la tête à certaines personnes, t'as acheté de l'argent à eux, t'as livré des armes, etc., etc. On a découvert des armes chez un de tes chefs de protocole, Soult. On l'a libéré, hein, on l'a libéré malgré tout ça, on t'a fait des fleurs, tout ça là. C'est parce qu'Alassane Ouattara est très bon avec toi. C'est parce qu'Alassane Ouattara, nous on est là, nous les vidéomanes, activistes de vidéomanes, on a crié sur notre rabol pour dire non, il ne faut pas libérer. Malgré ça, Alassane Ouattara a libéré, il ne nous a pas écouté. Aujourd'hui, il voit que tout ce que nous on disait sur les réseaux sociaux là, on ne dit pas, on ne vient pas ici pour parler. Et il nous a donné raison. On va continuer. Hein. L'indépendante va brûler la Côte d'Ivoire. Ah. Et tous, c'est une menace vous fait. Faites semblant de ne pas voir. C'est quoi? C'est la guerre civile? Non, c'est l'instabilité. Vous savez qu'en Afrique, généralement, partent des processus mal maîtrisés ou organisés. Alors, donc, ce serait dommage que je ne tire pas, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Et celui qui vous parle, ce sont les propos, les paroles de quelqu'un qui a organisé une élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Guillaume Soro, vous avez été longtemps le plus proche allié d'Alassane Ouattara, et il y a encore 9 mois, vous l'avez entendu, le président de la Côte d'Ivoire, il a dit... Vous avez entendu Soro, Guillaume. Il dit que ça va brûler la Côte d'Ivoire. L'élection 2020, ça va brûler la Côte d'Ivoire. En fait, il essaie de faire peur à certaines faibles. Il y a des gens qui ont investi dans ce pays, il y a des gens qui sont là, malgré la guerre, Alassane Ouattara a su faire face à tout ça. Les menaces, les provocations, les ceci, les récupérations des choses pour essayer d'annuler son image. Chaque personne, étranger ou pas étranger, chaque personne qui va en Côte d'Ivoire, ils viennent joyeux pour dire que l'Afrique, franchement la Côte d'Ivoire a évolué malgré la guerre en 2010. Vous vous rendez compte? En 2002 aussi. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en bris. Non mais vraiment quoi? Mais vous ne voyez pas le travail du mec? Il y a des gens qui ont investi là-bas. Ils croient que vous croyez que les gens ils vont s'élever pour aller faire la guerre? Encore? Pour un individu comme ça? Un gars comme ça là?
qui est là parce que le président elle a fait une promesse et puis la promesse là il veut plus le faire. Donc je me retire du RHDP, je vais aller avec nos adversaires, hein, je suis avec eux. Mais malgré eux, eux-mêmes là, tu les as trahis. Les adversaires pro-Babo, soi-disant, tu vas être avec pro-Babo, pré-Bédier, tout ce que tu veux là. Eux-mêmes, tu les as trahis parce que eux, ils attendaient que tu dis que Hassan Ouattara n'a pas gagné l'élection 2010. Eux, ils attendaient ça. Mais j'aimerais bien voir le 6 là, si les terroristes, ils vont aller à la haie, si les pro-Babo, ils vont laisser passer ça. Moi, j'aimerais bien voir si les pro-Babo, ils vont laisser passer les soros, aller à la haie comme ça, faire amitié avec eux, hypocrisie. Mais ça veut dire que vous êtes dans le flou. Je n'ai pas fini encore. Je vais montrer une vidéo encore. Et puis après, c'est la commune, la 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est le peuple élu. Alors, Hassan Ouattara a bien été élu. Monsieur Ouattara a bien et bien été élu. Le gars. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez bien, aujourd'hui, je suis en froid avec monsieur Ouattara, il aurait été opportuniste et facile pour être élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus. La vérité, c'est que nous avions trois canaux de vérification de cette élection. Effectivement, monsieur Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, monsieur Laurent Gbagbo a 38%, monsieur Ouattara a 32%, monsieur Bédié a 25%. Quand monsieur Bédié et monsieur Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que monsieur Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas. Voilà, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, moi je disais aux uns aux autres que nous avions trois forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédié qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30%. Et nous avions le FPI de Gbagbo qui représentait environ 30%. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu as bien dit que Hassan Ouattara a bien gagné l'élection 2010. Donc, pourquoi toi aujourd'hui, parce que tu n'es plus avec eux, et que tu dis que l'élection, il risque d'avoir le feu, ça va brûler, hein, chameau, cheval, œuf, tout ça, là, mais c'est quoi ce royaume? Et tes écoutes, là. Mais que ça soit, tu dis que, ouais, ton Afisatou Bamba est venu sur la télé ici, a bien confirmé que c'est ta voix, et toi-même, tu as reconnu ça. Que ce soit 2020, l'écoute, là, que ce soit 2010, 2011, 2012, tout ce que tu veux, là, même si c'est 2017, mais tu as voulu faire un coup d'État dans ton propre pays, que tu dis que tu aimes. Tu veux faire un coup d'État dans ton propre pays, c'est que tu n'aimes pas ton pays. Je suis désolé. On ne fait pas un coup d'État dans son propre pays quand on aime ses citoyens ou le pays. On va écouter. Et cette fameuse vocale. C'est la puissance du feu. Pour quelqu'un comme ça qui dit qu'il aime son pays, qui dit qu'il est ivoirien, qui dit que ouais, moi je vais être président. J'ai commis une élection pour être président. Je vais être GPS. J'ai commis un comité, je sais pas quoi, comité Daniel. Non, mais sérieux quoi. Sérieux Guillaume, c'est un danger. Hein? Sérieux Guillaume, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire, pour des vrais. Hein? C'est lui la base de tout.
Il est à la base de tout. Ce gars-là, s'il avait le moyen de tuer Babo, il l'aurait tué. Oui. Parce que Babo, il sait beaucoup de choses pour lui. Pourquoi Babo ne le reçoit pas depuis là? Posez-vous la question. Et quand je vois certains les partisans de Laurent Gbagbo être derrière lui comme des moutons, ils croient que c'est lui qui pourra enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous avez menti, petit. Là, celui qui n'est même pas capable de rentrer dans son propre pays. C'est Alassane Ouattara, il a bloqué ça. C'est Alassane Ouattara qui a la télécommande. Hein. Je vous ai toujours dit, Alassane la télécommande. C'est Alassane Ouattara qui a la télécommande. Vous êtes là, les gens ils sont là en train de... Ouais, le seul discours qu'ils ont dans leur bouche, c'est... L'autre, il n'est pas ivoirien. Non, pourquoi tu te mêles de ça? Pourquoi c'est ça? C'est-à-dire, comment vous pouvez accepter des Africains? Des Africains qui viennent dire à un propre frère africain pour dire qu'il est étranger. Un Africain qui traite son propre frère d'étranger. Mais est-ce que vraiment il y a la logique dans ça? C'est comme un blanc traite son propre frère blanc étranger. Ici en France, là, quand les Anglais ils viennent ici, là, ils ne disent pas des étrangers. Hein. Ce n'est pas des étrangers, c'est des blancs. Nous, on est des noirs. On est dans l'Afrique. Mais nous, entre nous, les Africains, on se traite des Africains. On se traite des étrangers. Mais la logique, elle n'est pas là, en fait. Vraiment, la logique, elle n'est pas là. Donc, quand j'entends certaines personnes dire « Ah, lui, il est ceci, lui, il est ceci. » Mais si toi, tu es Camerounais et lui, il est Ivoirien et que vous faites des enfants, ton enfant camerounaise, là, et son enfant Ivoirien, là, s'ils s'aiment, tu vas les empêcher à s'aimer? Est-ce qu'ils vont dire « Parce que tu es Camerounais, je ne veux pas me marier avec toi ?» C'est le cœur qui décide. Quand ton cœur n'aime pas quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un. Peu importe la couleur, peu importe le pays où il vient. C'est le cœur qui décidera toujours de chacun de nous sa décision. Et c'est, voilà... Et de ce qui va décider pour la vie. Donc, moi, je ne suis pas là pour essayer de... Ouais, 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 je ne suis pas dedans. Parce que moi, là, à l'heure où je vous parle, là, ma vie, elle est tranquille. Voilà, je ne cherche personne. Mais quand il y a une vérité à dire, je viens ici, je prends mes responsabilités et puis je dis ce que j'ai à dire. Quand j'entends certaines pro-babos vient dire, Alassane, ceci, on vous a pas demandé d'aimer Alassane Ouattara. Même moi, là, je ne vous ai pas demandé de m'aimer. On vous a demandé de venir faire des bilans. Qu'est-ce que vous pouvez faire plus que Alassane Ouattara? Vous étiez au pouvoir avant Alassane Ouattara arrive. Vous avez fait des discriminations. Est-ce que ça est arrivé aujourd'hui? On vous a dit que Babo a perdu l'élection 2010. Vous n'avez pas voulu. Vous avez voulu rester. Et ça fait beaucoup de morts dans le pays. Là. Et puis vous dites que vous aimez les Ivoiriens. Et puis c'est à vous qui dites les peuples. Vous êtes assis dans vos salons en train de dire aux gens de sortir. Moi, je ne dis jamais aux gens de sortir. Hein. Sortez pas. C'est pour ça d'ailleurs que Al-Mustapha et moi et Ben Chico, d'ailleurs, nous, moi et Ben Chico, on est à la base de la création de victimes, Zéro Victime 2020. Et que Al-Mustapha a pris le devant, voilà, a pris le devant de la chose. C'est pour ça qu'on a fait un truc, on a créé quelque chose qui amène à tous citoyens, pauvres ou pas pauvres, riches ou pas pauvres, rien du tout, qu'on ne va pas se laisser... On va pas se laisser mourir pour aucun politicien. Va venir faire des élections, aller se battre, aller prendre des couteaux ou des fusils pour aller se tuer pour un politicien. Peu importe les politiciens, le bord des politiciens qui est étranger ou pas étranger. On veut pas de mort en 2020, l'élection 2020. On veut que l'élection passe très très bien. Voilà. Et c'est pour ça que le pays est gouverné, le pays est en sécurité. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation du pouvoir. Beaucoup de choses qu'ils ont essayé de faire. Les 8400, les gens qui se lèvent, qui se tirent, qui réclament ceci, qui réclament ceci. Même malgré ça, Alassane Ouattara, il fait face à tout ça. Il essaie de faire tout pour mettre le calme dans son pays. Et avec tout ça, vous êtes encore contre Alassane Ouattara. Vous êtes encore là, vous essayez de faire des parties, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Serait comme si toi tu veux devenir président là. Et Bédier, quel pacte vous avez fait vous deux ensemble? Quel accord vous avez fait ensemble pour 2020? Donc, vous deux, vous allez devenir président quoi. Et puis d'ailleurs même, ça là c'est bouclé, c'est géré. Maintenant, je vais vous parler, on a fait une communauté pour, j'espère que tous ceux qui veulent être membres de ça, tous ceux qui sont d'accord, parce qu'après c'est pour l'intérêt de tout le monde, on veut que l'élection 2020, il y a zéro victime. Voilà, et je vais vous faire écouter cette fois-ci, même... C'est même sorti à la RTI, à la chaîne nationale de la Côte d'Ivoire. C'est notre projet.
C'est notre idée, moi et Ben Chico. On a mis ça de l'avant en 2017. Et aujourd'hui, Al-Mustapha Abdi Tafa Touré a pris le devant de tout, qui est devenu le président même de l'association. Et moi, je suis le président de France. Voilà. Écoutez. Un mouvement apolitique vient de voir le jour. Son créneau est la valeur. Ils ont décidé de ne pas être des acteurs passifs ou actifs de la gestion des acquis socio-économiques du pays à la présidentielle d'octobre 2020. Ces jeunes candidats à l'ambulance ont battu le rappel des troupes pour marquer leur adhésion au mouvement élection 2020, zéro victime. Quand on parle des élections, c'est en trois temps. Les élections, c'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Mais quand on résume tout ça, on comprend qu'après les élections, il y a la vie. Les Ivoiriens et la diaspora veulent également jouer leur partition pour l'apaisement du processus électoral en s'utilisant des cyberactivistes du vote en Europe. Peu importe le temps que tu feras à l'étranger, tu finiras par rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien d'être un cyberactiviste qui montre les uns contre les autres. On a conscience de certaines réalités qui sont là. Mais notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de sensibiliser. Élection 2020, zéro victime, est une initiative de Al-Mustapha Touré. Ce mouvement, c'est un creuset de paix et de prison sociale. Nous voulons sensibiliser la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse ne veut plus être victime des hommes politiques. La jeunesse ne veut plus mourir pour ces hommes politiques. Les hommes politiques, qui, lorsqu'ils vont perdre les élections, ou bien ils vont donner de l'argent ou des pots de vin au centre d'emploi pour les amener dans la rue pour aller commettre des actes de vandalisme, pour aller brûler les punais et tout, tout, tout. Après, à Bobo, nous allons à Yopougon, dans la plus grande commune. À Bobo, l'une des communes ayant subi les affres de la crise post-électorale de 2010, ne pourrait vivre ce souvenir où l'on. C'est pourquoi il est élu par son premier magistrat, Ahmed Bakay Yoko. C'est un grand honneur pour nous, la commune d'Abobo, d'accueillir donc le lancement de ce mouvement donc, dans notre commune. C'est l'objectif de M. le maire que Abobo puisse vivre des élections présidentielles apaisées avec nos victimes donc, au niveau de la commune. Élection 2020, zéro victime, est un mouvement apolitique pour une défense des intérêts de la jeunesse. Voilà. Ce mouvement-là, c'est un mouvement que moi j'ai créé avec Ben Chico et que Al-Mustapha a pris le devant. Ce n'est pas une histoire de politique, ça ne va pas en faveur de aucun politicien. Il y a des gens qui peuvent être membres, président encore et derrière ou être le parent de ça. Chaque personne est libre de ça. Et cette élection 2020, on veut que ça se passe bien, tranquillement. Parce que c'est toujours nous les victimes, nous les innocents qui vont les voter, surtout ceux qui sont en Afrique. Qui veulent le changement de leur avenir. Alors, je vous demande aujourd'hui de suivre, parce que je suis le président même de ces mouvements Zéro Victime 2020. C'est Al-Mustapha dit Tafa Touré et le porte-parole Kone Ben dit Ben Chico. Alors, ces mouvements, je les tiens vraiment au cœur parce que lorsqu'on vient faire des vidéos aussi, il faut aider. Aux victimes, c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde, au moins, puisse rentrer sain et sauf. Et celui qui a gagné l'élection, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vous demande à chaque personne de se mobiliser, vraiment à donner, à sensibiliser chacun de votre famille et de vos frères et sœurs d'être tranquille, que la Côte d'Ivoire est bien, bien, bien en sécurité. Voilà. Tous ceux qui ont des rêves diaboliques, malsains, etc., etc., tous ceux qui vont tenter et essayer seront abattus sur le champ. Il n'y a pas de cadeau dans ça parce qu'on veut un pays développé et pour avoir un pays développé, il faut prendre des engagements, il faut prendre des mesures très fermes et pour que demain, il y ait une récompense très bien dedans. Dans le bonheur, il faut qu'il y ait le mal dedans aussi. Chaque bonheur, il y a le mal dedans. Il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas de bonheur sans mal. Il n'y a pas le bien sans mal. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent aussi, le mal vient du bien. En faisant du bien, tu peux faire mal à quelqu'un. Souvent aussi, tu peux faire mal à quelqu'un. Donc, en tout cas, je vous remercie.
S'il y a des gens qui veulent intervenir direct en vidéo, appuyez sur l'invitation, je vous ai accepté. Et puis, ceux qui veulent argumenter, je vous laisse argumenter. Vous pouvez appuyer sur la vidéo pour que je vous prenne en vidéo, vous allez intervenir directement. Voilà. Donc, l'antenne à vous. Si je ne vois pas quelqu'un dans 2-3 minutes, je coupe. Voilà. On dirait ici, maintenant, on peut faire les invitations, quoi. Les invitations vidéo, là. Bon, je te prends... Et voilà. Comment ça s'appelle? Voilà. Donc à tous, merci à tous, merci à toutes. Ben l'autre, tu voulais intervenir, non? Appuie Jackie, je t'appelle. Tu vas intervenir, s'il te plaît. Je fais une invitation là, accepte. Jackie, je te fais une invitation. Comme tu voulais intervenir directement, comme ça tu as un mot à dire, comme tu parles bien le français aussi, et tu as fait une vidéo remarquable la dernière fois, et j'ai vraiment aimé ça. Jackie, tu peux intervenir hein, si tu veux. Il faut accepter là-bas pour intervenir en vidéo. Bon, je crois qu'elle n'est pas là. Bon, en tout cas, merci à tous. La Côte d'Ivoire est bien en sécurité. La sécurité est garantie par le ministre Ahmed Bakayoko et tout ce mouvement, et le ministre de l'Intérieur, etc. Et le président de l'Assemblée nationale aussi, mais son coup de pas aussi, dedans. Voilà. Tous ceux qui ont peur de ceci, il va y avoir un coup d'État, il va y avoir ceci, il n'aura rien du tout. Soro Guillaume, il ne peut rien y faire. Soro Guillaume, il est là, il va aller prendre des faux blancs, là. Comme on dit là, la musique là, la musique de truc là. À Paris, il y a des bons Jesse. Parce qu'il y a des bons Jesse. Bon, attends, je te redemande, Jackie. À Paris, quand tu vas en blanc, dans son propre pays, mais va dans les vidéos, normalement, tu dois accepter directement. Jackie, normalement, je t'ai fait une invitation. Tu dois accepter là-bas. Autant, je t'accepte. Je t'ai fait une invitation pourtant, Jackie. Bon, attends, je te refais. Invitation vidéo. Bon, en direct. Ouais, t'es là, mais... Bon, essaie de me faire une invitation en direct, vidéo, comme ça j'accepte. Fais-moi une invitation directe en vidéo, comme ça j'accepte, comme ça t'interviens. Donc, je disais, comment on dit ça, Paris est dur comme caillou, allez, ni manie, zéro. À Paris, les blancs sont. Sur le game, il est parti prendre certains blancs, là, ils habillent en costume, façon, ils sont venus s'habiller, en façon, ils ont fait des petites tables rondes dans un restaurant, façon. Pour se faire passer pour comme si c'est des gens intelligents, des gens importants. Ils ne sont rien du tout. C'est des flaflaman. C'est des flocoman. C'est des vrais flocoman même. Si moi, je vous dis ça. Moi, je suis en France, je sais de quoi je parle. Non. C'est des vrais flocoman. Voilà. Il peut qu'aboyer sur les réseaux sociaux. Mais à part ça, l'arrière. On te pose une question. Pourquoi tu n'as pas pris l'avion? L'avion général pour tout le monde et tout pour arriver là-bas, être sûr d'atterrir au pays. Ah, mais. Je suis quand même sur Guillaume, mais mes partisans, ils m'attendaient. Donc, j'ai pris un avion privé pour être bien accueilli. Mais ce n'est pas dans l'avion qu'ils vont t'accueillir. C'est en dehors de l'avion qu'ils vont t'accueillir. Que tu es venu en jet set ou un avion tout en or, nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut que tu atterris au pays. On veut que tu viennes rendre justice là. Viens répondre à la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux être président, si tu es sûr de ce que tu dis, aujourd'hui, tu es en train de faire négociation avec Alassane Ouattara pour essayer de rentrer au pays. Vous faites la grande gueule dans les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux, vous êtes des vraies fiottes, des vraies famelettes, des vrais euros, mais vous êtes des flocomanes, mais vous êtes des vrais VI. Et puis, c'est vous qui parlez. Même des vidéomanes souris. Vous avez la grande gueule. Mais dès qu'on vous voit, oh Joe, mais tu connais, oh, c'est la famille. Hein? C'est la famille. Et puis, vous jouez avec la vie des gens sur le réseau social. Faut arrêter ça. Parce que si vous continuez là,
On commence à vous botter sérieusement. Parce que là, vous jouez avec la vie des gens et vous incitez les gens à la haine. Et sortez, faites la guerre. La Côte d'Ivoire va brûler. Mais c'est quoi ça? C'est quoi vos projets en fait? C'est quoi? Il y a un vent très mauvais qui a soufflé sur la Bidjan. Mais c'est quoi tous ces propos? C'est quoi ça là? C'est quoi? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Si c'est pas pour inciter les gens à la haine. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en direct, qui ont commenté. Merci. Merci pour le soutien à tous ceux qui me soutiennent en tout cas. Je vous vois. On se voit. Et puis, il y a certaines personnes qui se disent, on est des pros. On est ensemble. On est ensemble, mais pour venir commenter ici, tu n'es pas là. Mais tu veux que moi, je vienne commenter ta vidéo. Tu veux que je like. Mais toi, tu n'as pas le cœur d'appuyer dans ces putains de boutons maudits là. Pour me soutenir, pour que les gens ils voient qu'on est vraiment ensemble. Les gens qui sont vraiment ensemble, c'est les gens qui viennent se soutenir.